Bonsoir. Bonsoir. Alors ce soir, nous allons assister à une représentation de Carmen, issue au départ de la nouvelle de Prosper Mérimée, écrite en 45, 1845, et qui aurait inspiré un opéra donc à Georges Bizet en 1875, année de la mort de ce dernier, à peine 36 ans. L'opéra est en quatre actes. Carmen eut, selon mes informations, un petit succès d'estime à l'époque, et nous allons découvrir ensemble eh bien, si c'était mérité. L'épigraphe, donc la phrase en exergue dans la nouvelle de Mérimée, vient d'un poète antique grec, un certain Palladas, et dit ceci: « Passa gune holos estin erei dahatos duo » Ok, ça parle pas grec ancien. Ok, non, non, il n'y a pas de problème. Non. Moi qui pensais que le public du Nouveau Siècle était cultivé. Donc, non, bon, on va le faire en français, hein, nivellement par le bas. Désolé. La phrase d'ouverture donc de Palladas dit « Toute femme est amère comme le fiel, mais elle a deux bonnes heures, une au lit, l'autre à sa mort. » C'est pas de moi, hein, c'est véridique. Donc, ce choix de Mérimée nous dit deux choses. Un, que le hashtag MeToo n'était pas une des grandes préoccupations à l'époque. Deux, et sans vouloir vous spoiler la soirée, n'excluez tout de même pas que ça puisse mal se terminer. C'est pas sûr, mais gardez ça dans un coin de la tête. Lançons-nous, alors oui, parce que mon travail, c'est important, j'apparais comme ça, mais c'est de vous aider à suivre l'histoire, en partie en vous lisant des extraits de la nouvelle de Mérimée, mais aussi en y intégrant voilà, des considérations personnelles. Donc il y aura des choses intelligentes et puis d'autres moins. Voilà, ma mission, c'est en fait, c'est essentiellement, je dirais, de planter le décor, parce que comme vous avez vu, bon, il y a quelques projections, mais voilà, c'est un décor simple, sommaire. Voilà, ils n'ont pas investi des masses là-dedans. Et j'ai... Je vous cache pas que moi, ça m'a surpris, eu égard aux énormes subventions données à l'Orchestre National de Lille. Mais bon, subventions qui semblent essentiellement passer dans les frais de coiffure d'Alexandre Bloch. Mais oui, mais bon, voilà. Je ne sais pas ce que vous applaudissez. Vraiment, je ne préfère pas le savoir. Bon, allons-y. Un premier extrait de la nouvelle pour vous mettre dedans. L'Espagne est un des pays où se trouvent aujourd'hui, en plus grand nombre encore, ces nomades dispersés dans toute l'Europe et connus sous les noms de bohémiens, gitanos, gypsies, tzigeuners, etc. La plupart demeurent, ou plutôt mènent une vie errante, dans les provinces du sud et de l'est, en Andalousie, en Estramadour, dans le royaume de Murcie, il y en a beaucoup en Catalogne. Ces derniers passent souvent en France, où on en rencontre dans toutes nos foires du midi. D'ordinaire, les hommes exercent des métiers de maquignon, de vétérinaire, de tondeur de mulets. Ils y joignent l'industrie de raccommoder les poêlons et les instruments de cuivre, sans parler de la contrebande et autres pratiques illicites. Les femmes disent la bonne aventure, mendient et vendent toutes sortes de drogues, innocentes ou non. Voilà. Nous sommes donc dans l'ambiance. La première scène de l'opéra se passe à Séville. Imaginez une place face à la manufacture de tabac. C'est un bâtiment qui a vraiment existé à l'époque et qui, en ce temps-là, engageait une importante part de la population de la ville, essentiellement des femmes. Le premier personnage que nous allons découvrir s'appelle Morales. C'est un brigadier. Thank you.
passé les passants. Sur la place, chacun passe, chacun vient, chacun va. Regardez donc cette petite qui semble vouloir nous parler. Voyez, voyez, elle tourne, elle hésite. Ah, sans secours, elle que cherchez-vous là-bas? Je suis là, voilà.
Là. Morales s'adresse à un autre brigadier, un certain Don José Lizarra Bengoa. Retenez bien ce personnage, il pourrait avoir une petite importance dans l'histoire. Il est originaire de Navarre, exilé en Andalousie. Morales est en train de lui raconter ce qu'on vient de voir. Une jeune femme est venue pour le rencontrer. Elle s'appelle Micaela. On y reviendra. Là, Don José est devant la manufacture de tabac, sur la place où tous les jours se joue un petit manège amusant. Après le dîner, à l'heure où les ouvrières rentrent, les hommes viennent les voir passer. Et leur rencontre de toutes les couleurs, surtout les jeunes, surtout quand il fait chaud. Loin de tout cela, Don José, lui, reste insensible. Il a pris l'habitude d'observer cela depuis son banc, car, dit-il, les Andalouses me font peur. Peut-être prémonitoire. Thank you.
C'est certain. Thank you.
C'était un vendredi. Là, je suis derrière vous, excusez-moi. Non, je voulais me mettre au dernier balcon pour voir ce que ça donnait avec les pauvres. Mais on voit très très bien. Vraiment, les riches, à mon avis, vous êtes fait avoir. C'était un vendredi dont José ne l'oubliera jamais. Ce jour où il rencontra pour la première fois Carmen. Ce jour où il aurait sans doute mieux fait de se casser la jambe. Mais non, ça, c'est une considération personnelle, hein, c'est pas dans la nouvelle. D'ailleurs, écoutez le passage. Elle avait un jupon rouge fort court qui laissait voir des bas de soie blancs avec plus d'un trou. Et des souliers mignons de maroquin rouge attachés avec des rubans couleur de feu. Elle écartait sa mantille afin de montrer ses épaules et un gros bouquet d'acacia qui sortait de sa chemise. Elle avait encore une fleur dans le coin de la bouche. Et elle s'avançait en se balançant sur ses hanches comme une pouliche du haras de Cordoue. En avare, une femme en ce costume aurait obligé le monde à se signer. À Séville, chacun lui adressait quelques compliments gaillards sur sa tournure. Elle répondait à chacun, faisant les yeux en coulisses, le poing sur la hanche, effrontée comme une bohémienne qu'elle était. Et prenant la fleur d'acacia qu'elle avait à la bouche, la lui lança. Comme l'écrit Mérimée, suivant l'usage des femmes et des chats, qui ne viennent pas quand on les appelle et qui viennent quand on ne les appelle pas, Carmen est venue à lui. Il est déjà perturbé, mais il ne se l'admet pas lui-même. Il se remet doucement des parfums de la fleur. Quand revient Micaela. Micaela, cette orpheline de 17 ans, recueillie par la mère de Don José, elle veut justement lui remettre une lettre de cette dernière adressée à son unique fils. Micaela, c'est intéressant de savoir, c'est un personnage qui a été ajouté par Georges Bizet et ses librettistes à la nouvelle originelle, car il fallait, pour la bienséance, quand même un personnage qui représente la droiture et l'intégrité. Sans doute pour qu'à l'époque, l'opéra puisse être diffusé en prime time sur TF1. Puis un peu d'argent, et je prie de votre trait.
Quel péril, je ne comprends pas bien. Que veut dire cela? Rien. Parlons de toi, la messagère. Tu vas retourner au pays. Oui, ce soir même. Tu la verras, eh bien tu lui diras que son fils l'aime et la vénère et qu'il se répand aujourd'hui. Il veut que la main sa mère soit contente. Elle est partie, elle s'est encourue, elle s'est enfuie, mais pourquoi? La réponse,
On la trouve dans la lettre qu'elle est venue remettre à Don José. Cette lettre, il l'a lue à voix haute devant Michaela. Cette lettre de la main de sa mère disait ceci. Continue à te bien conduire, mon enfant. L'on t'a promis de te faire maréchal des logis. Peut-être alors pourras-tu quitter le service, te faire donner une petite place et revenir auprès de moi. Je commence à me faire bien vieille. Tu reviendrais près de moi et tu te marierais. Nous n'aurions pas, je pense, grand-peine à te trouver une femme. Et je sais bien, quant à moi, celle que je te conseillerais. C'est tout justement celle qui te porte ma lettre. Il n'y en a pas de plus sage et de plus gentil. À ces lignes, Michaela s'enfuit. Elle n'entendra pas la fin de la missive. Il n'y en a pas de plus sage et de plus gentil. Il n'y en a pas surtout qui t'aime davantage. Et si tu voulais, trois petits points. C'est un lieutenant. C'est le lieutenant Zuniga. Il est arrivé sur place après la fameuse émeute que viennent de lui rapporter les filles. Elle a eu lieu il y a peu dans la grande salle à cigares de la manufacture, une salle où il n'y a que des femmes. Zuniga, voulant en savoir plus, a envoyé Don José à l'intérieur de cet endroit interdit aux hommes. Quand il fut revenu, Don José lui raconta ce qu'il venait de voir. Ouvrez les guillemets. Figurez-vous, monsieur, qu'entrée dans la salle, je trouve d'abord 300 femmes en chemise, ou peu s'en faut, toutes criant, hurlant, gesticulant, faisant un vacarme à ne pas entendre Dieu tonner. D'un côté, il y en avait une, les quatre fers en l'air, couverte de sang, avec un X sur la figure qu'on venait de lui marquer de deux coups de couteau. En face de la blessée, je vois Carmen, tenue par cinq ou six commères. La femme blessée criait « Confession, confession, je suis morte !» Carmen ne disait rien. Elle serrait les dents et roulait les yeux comme un caméléon.
J'eus grande peine à savoir ce qui s'était passé, car toutes les ouvrières parlaient à la fois. Il paraît que la femme blessée s'était vantée d'avoir assez d'argent de poche pour acheter un âne au marché de Triana. Carmen avait une langue et dit « Tu n'as donc pas assez d'un balai ?» L'autre, blessée du reproche, peut-être parce qu'elle se sentait véreuse sur l'article, lui répond qu'elle ne s'y connaissait pas en balai. N'ayant pas l'honneur d'être bohémienne ni filleule de Satan, là-dessus, vlivlant, Carmen commence avec le couteau dont elle coupait le bout des cigares à lui dessiner des croix de Saint-André sur la figure. Fermez les guillemets. Voilà. Moi qui m'y connais un petit peu en femme quand même, Carmen, elle a un sacré caractère, quoi. C'est moins les quatre filles du docteur Marsh que Booba et Carice. Carmen blabla, t'es tralala et blablabla. Tralalalalala, mon secret je le garde et je le garde bien. Tralalalalala, j'en ai mal au trémeur en disant que je l'aime. Le lieutenant lui s'en fiche des tralala et il n'écoute pas, il a envie d'en. Carmen chantait à la prison, mais ça, c'est pas le projet direct de Carmen. Elle essaye de draguer un peu, et tralala, et blablabla, mais ça marche pas, alors elle continue à crier à l'injustice, et blablabla. Demande à Don José de l'arrêter et lui confie la mission d'emmener personnellement la bohémienne à la prison. La bonne idée. Sur le chemin, Carmen essaye un peu de l'attendrir en négociant d'abord. « Hélas, que deviendrai-je? Ayez pitié de moi, vous êtes si gentil. Laissez-moi m'échapper. Je te donnerai un morceau de la barre Lachi, une petite pierre qui te fera aimer de toutes les femmes. Bon, » là, j'ouvre une petite parenthèse parce que moi-même, j'ai investi massivement dans la barre Lachi. Ça fonctionne pas. Hein. Bon, je referme la parenthèse. Carmen, elle continue à faire tourner la tête de Don José, cette fois en s'inventant des origines de Navarre. C'est là que je suis né. J'ai été emmené par des bohémiens à Séville. Je travaillais à la manufacture pour gagner quelques sous pour retourner voir ma mère en Navarre, ma pauvre mère. On m'a insulté parce que je ne suis pas de ce pays de filous, de marchands d'oranges pourris. Et ces coquines se sont mises contre moi parce que je leur ai dit que tout leur Jacques de Séville avec leur couteau ne ferait pas peur à un gars de chez nous. Il n'y avait pas un mot de vrai. Et là, Carmen utilise son joker, la sincérité. Elle le regarde et lui dit « Je suis bien bonne à me donner la peine de mentir. Oui, je suis bohémienne, mais tu n'en feras pas moins ce que je te demande. Tu le feras parce que tu m'aimes. Eh oui, tu m'aimes. Ne dis pas non, je m'y connais. » Tes regards, la façon dont tu me parles, et puis cette fleur que tu as gardée, tu peux la jeter maintenant. Ça n'y fera rien. Elle est restée assez de temps sur ton cœur. Le charme a opéré. Elle est forte, Carmen. Ou lui est faible. Ou un peu les deux. Et les vrais plaisirs sont à deux. Donc pour me tenir compagnie, j'en fais de la mode.
comme nos livres, si je cède, si je me livre. Ta promesse, tu la tiendras, moi si je t'aime. Si tu ne m'aimes pas, je t'aime.
voilà arrivé au début de l'acte 2. Voilà, le décor change complètement. Là, nous sommes au milieu de la nuit, chez Lila Spastia, une taverne sévillane connue pour être le rendez-vous de tous les contrebandiers de la province. Mais surtout, le temps s'est écoulé entre les deux actes. Précisément, nous sommes le jour où Don José va sortir de prison. Comment s'est-il retrouvé derrière les barreaux ? C'est lui-même qui le raconte dans la nouvelle de Mérimée. Il ne paraissait pas trop naturel qu'un coup de poing d'une si petite fille eût terrassé si facilement un gaillard de ma force. Tout cela parut louche, ou plutôt trop clair. En descendant la garde, je fus dégradé et envoyé pour un mois à la prison. C'était ma première punition depuis que j'étais au service. Adieu les galants de maréchal des logis que je croyais déjà tenir. Mes premiers jours de prison se passèrent fort tristement. Je me disais, tout le temps service sans punition, c'est du temps perdu. Et pour qui me suis-je fait punir ? Pour une coquine de bohémienne qui s'est moquée de moi et qui, dans ce moment, est à voler dans quelque coin de la ville. Pourtant, je ne pouvais m'empêcher de penser à elle. Le croiriez-vous ? Ces bas de soie troués qu'elle me faisait voir tout en plein en s'enfuyant, je les avais toujours devant mes yeux. Je regardais par les barreaux de la prison dans la rue. Et parmi toutes les femmes qui passaient, je n'en voyais pas une seule qui valût ce diable de fille-là. Et puis, malgré moi, je sentais la fleur de cassis qu'elle m'avait jetée et qui, sèche, gardait toujours sa bonne odeur. S'il y a des sorcières, cette fille-là en est une. Un jour, le geôlier entre et me donne un pain d'Alcala. « Tenez, dit-il, votre cousine vous envoie cela. » Je pris le pain fort étonné car je n'avais pas de cousine à Séville. Mais le pain était si appétissant et sentait si bon que sans m'inquiéter de savoir d'où il venait et à qui il était destiné, je résolus de le manger. En voulant le couper, mon couteau rencontra quelque chose de dur. Je regarde et je trouve une petite lime anglaise qu'on avait glissée dans la pâte avant que le pain fût cuit. Il y avait encore dans le pain une pièce d'or de 2 piastres. Plus de doute alors, c'était un cadeau de Carmen. Pour les gens de sa race, la liberté et tout. Il mettrait le feu à une ville pour s'épargner un jour de prison. Mais moi, je ne voulais pas m'échapper. Hein. J'avais encore mon honneur de soldat et déserter me semblait être un grand crime. Seulement, je fus touché par cette marque de souvenir. Le verre est dans la pomme. D'amour. Même chanson, même refrain.
Avec Carmen, ce sont Frasquita et Mercedes, deux de ses amies. Elles dansent à trois et font tourner la tête de Zuniga et de ses officiers, mais elles refusent d'accompagner ces hommes dans la nuit. Cet échec énerve d'ailleurs un petit peu Zuniga, qui ne lâche pas l'affaire et annonce à Carmen qu'il reviendra dans une heure. Mais il n'a pas le temps de partir, car on entend dans la rue un bruit qui précède l'arrivée d'un personnage haut en couleur. Qu'il est là. Votre tasse, je peux vous le rendre, Seigneur, Seigneur, car avec les soldats. Mille toreros peuvent s'entendre, pour plaisir ils ont les combats. Le cirque est plein, c'est jour de fête, le cirque est plein du haut en bas. Les spectateurs perdent la tête, les spectateurs s'interpellent à naufragés. Apostrophe, crise et tapage, poussée jusque à la fureur, car c'est la fête du courage, c'est la fête des gens de cœur. Allons, en garde, allons, allons, songe bien, oui, songe au combattant, ton œil noir te regarde, et que l'amour t'attend, toréador, l'amour, l'amour t'attend. On se sauve, on franchit les grilles.
Celui qui vient de débarquer chez Lila Spastia, c'est Escamillo, un torero qui, dit-on, s'est fait remarquer aux dernières courses de Grenade et qui promet d'égaler la gloire de Montes et de Pepo Illo. Aujourd'hui, ça ne nous dit pas grand-chose. Pour vous donner une comparaison anachronique, ce qu'on vient de voir là, c'est un petit peu comme si à Lille, vers 1h du matin, Eden Hazard débarquait à la chicorée. Vous voyez, en gros. Escamillo, évidemment, a repéré la beauté de Carmen, mais il se rend assez vite compte que c'est plus facile de faire passer un taureau sous sa cape que la jolie bohémienne. Il lui propose de l'aimer, elle refuse. Il lui demande si il peut espérer, elle accepte par cette phrase. Il n'est pas défendu d'attendre, il est toujours agréable d'espérer. C'est élégamment dit, mais c'est un râteau quand même. Le cortège d'Escamillo reprend sa route bruyante et festive et embarque Zuniga et ses officiers. Oh, les toreros, c'est impressionnant quand même. T'aimes la corrida, toi? Non, il aime pas la corrida. moi, j'aime bien. Non, je préfère la corrida au flamenco. Je n'aime pas le flamenco parce qu'à la fin du spectacle, on ne tue pas la danseuse. Et elle mérite... Ah oui, pardon, on avance. Il est pas rigolo, hein. Bon, alors... C'est à ce moment qu'arrivent deux nouveaux personnages. On va les découvrir, on va faire la connaissance de Le Dancaïr et Remendado. Deux contrebandiers dont l'un semble être le chef de l'autre. En gros, c'est un petit peu Capitaine Crochet et Monsieur Mouche. Voilà. Alors évidemment, le chef, c'est le plus malin. Hein, on n'est pas chez les Républicains. Nous avons en tête une affaire. Est-elle bonne, dites-nous? Est-elle bonne, dites-nous? Elle est admirable, ma chère. Mais nous avons besoin de vous. Oui, nous avons besoin de vous. De vous. De vous. De vous. De vous. De vous. Oui, nous avons besoin de vous. De vous. De vous. De vous. De vous. De vous. Oui, nous avons besoin de vous. De tromperie, de duperie, de volerie. Il est toujours bon sur ma foi d'avoir les femmes avec soi. Et sans elle, elle est toute belle, on ne fait jamais rien. Sans nous, jamais rien de bien, sans nous, n'a jamais rien de bien. N'êtes-vous pas de cet avis? Si belle, je suis de cet avis. N'êtes-vous pas de cet avis? Si belle, je suis de cet avis. Si belle, je suis de cet avis. Quand il s'agit.
de tromperie, de duperie, de volerie. Il est toujours bon sur ma foi d'avoir les femmes avec soi. Sur ma foi, sur ma foi, sur ma foi. Où ils ont négocié l'embarquement de marchandises anglaises à récupérer près de la côte. Et pour cela, il leur faudrait un peu de main-d'œuvre dès ce soir, pas pour porter les caisses, non, non, juste pour prévenir d'éventuelles arrivées. Les trois filles auraient donc parfaitement fait l'affaire. Mais Carmen refuse discrètement, elle veut bien partir demain. Mais là, elle attend quelqu'un. Tous comprirent que Carmen ne viendrait pas ce soir sans son beau dragon d'Alcala, son don José. Le Dankaïr lui propose donc de le convaincre et de l'emmener dès le lendemain. Les quatre quittent la scène, Carmen reste seule, et là... Il va y avoir de l'action. Oh!
Les deux se retrouvent enfin. Don José lui rend d'abord la pièce trouvée au milieu du pain. « Tiens, il a gardé l'argent !» s'écria-t-elle en éclatant de rire. « Tant mieux, car je ne suis guère en fond, mais qu'importe, chien qui chemine ne meurt pas de famine. Allons, mangeons tout, tu me régales !» Carmen acheta une douzaine d'oranges, encore un pain, du saucisson, une bouteille de manzanilla, des confiseries. Elle prit tout ce qu'il y avait de plus beau et de plus cher, du nougat, des fruits confits, tant que l'argent dura. En fait, Carmen prépare un dîner chez François de Rugy. Et... C'est pas dans la nouvelle, ça, mais... Elle chassa Pastia et sauta au cou de Don José en disant « Je paie mes dettes, je paie mes dettes !» Elle riait et mangeait des bonbons comme un enfant de 6 ans. Il n'y a pas de tour ni de bêtises qu'elle ne fit. Il lui demanda alors de la voir danser. Où trouver des castagnettes ? Aussitôt, elle prend une assiette et la casse en morceaux. Et la voilà qui danse, la romanise, en faisant claquer les morceaux de faïence aussi bien que s'il avait eu des castagnettes en ébène ou en ivoire. Don José pensa, on ne s'ennuie pas avec cette fille-là. S'ennuyer, non, c'est pas le bon verbe. Je vais danser en votre honneur, et vous verrez, Seigneur, comment je sais moi-même accompagner ma danse. Mettez-vous là, Don José. Je commence. La, 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 la. Va dans ton canari, viens dans ton château, ton sable, dans ton...
la retraite. Ta 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 ta, je vais être le tour. Oh mon Dieu, c'est la retraite. Je vais être le tour. De blasphème et je ne sais.
tu me le suivras sur ton cheval, tu me prendras et comme brave traverse la campagne en groupe tu m'emporteras là-bas, là-bas dans la montagne. Carmen, là-bas, là-bas tu me suivras, tu me suivras. Yeah.
Mon cher monsieur, nous allons s'il vous plaît quitter cette demeure. Vous viendrez avec nous. C'est une promenade. Consentez-vous, répondez la malade. Certainement, d'autant plus que votre argument Passez devant sans vous faire prier. Et tu dis notre maintenant. Il le faut bien. Le monde c'est pas le fialo. Que porte le que tu feras quand tu verras comme c'est bon la vie l'autre pour payer l'univers. Et pour moi, ça va monter. Et c'est pas la chose enivrante.
Vous avez bien chanté le chœur, vous pouvez prendre une pause, c'était bien. Vous, ça va? L'entracte s'est bien passé? On a bu une petite coupe de champagne, on a mangé des petites tapas, on a parlé des vacances. Peut-être certains ont acheté des disques à la boutique de l'ONL, ça, ça serait... Alors, si vous avez des regrets, sachez que la boutique est ouverte du mardi au samedi, à partir de 10h. Petit point marketing, c'est important, faire tourner la boutique. Alors, on va se replonger donc dans l'histoire, où on en était. Carmen avait demandé à Don José de le suivre, et lui, évidemment, il avait accepté, hein, vous pensez bien. Hein, Don José, dès qu'il y a une connerie à faire, il se sacrifie pour y aller. C'est une sorte de Manuel Valls. Ouais, c'est fou. Ils ne sont pas espagnols pour rien, les deux. Alors, donc, l'acte 3 se déroule dans la montagne, la nuit. Don José a voulu devenir contrebandier pour suivre Carmen, mais bien sûr, une fois embarqué dans ce métier, dans cette histoire, eh ben, sa nouvelle vie, c'est compliqué pour le couple. Je vous lis le dialogue entre les deux dans l'opéra originel de Bizet. José, tu ne m'aimes plus alors? Encore, quand un homme pose la question, c'est souvent qu'il est déjà trop tard, mais bon. Carmen répond, ce qui est sûr, c'est que je t'aime beaucoup moins qu'autrefois. Ce que je veux, c'est être libre et faire ce qu'il me plaît. Quand une femme dit ça, il va falloir être très très fort pour retourner la situation. José répond, tu es le diable, Carmen. C'est pas ça qu'il fallait dire. Et Carmen répond, oui. Qu'est-ce que tu regardes? À quoi tu penses, José? Je me dis que là-bas, à 7 ou 8 lieues d'ici, il y a un village, et dans ce village, il y a une bonne vieille femme qui croit que je suis encore un honnête homme. Carmen, une bonne vieille femme. José, oui, ma mère. C'est pas malin du tout. Ça, quand un homme en vient à parler de sa mère, c'est qu'il a plus d'arguments. Oui, et en plus, il s'expose au « t'as qu'à y retourner chez ta mère ». Carmen, ta mère, eh bien, tu ferais pas mal d'aller la retrouver. Voilà, voilà. Ah oui, ça rate jamais. José, un peu énervé. Si tu me parles encore de nous séparer, si tu ne te conduis pas avec moi comme je veux que tu te conduises, Carmen, tu me tuerais peut-être. José ne répond pas. Première bonne initiative de sa part, ça c'est important. Hein, ça, les hommes, notez-le, quand on ne sait pas, on ne dit pas. Hein, ça peut vraiment aider dans les conflits. Carmen, j'ai vu plusieurs fois dans les cartes que nous devions finir ensemble. Bah, arrive qui plante. José, tu es le diable, Carmen. Carmen, mais oui, je te l'ai déjà dit. Thank you.
Tout le monde est parti dans la nuit, vers un nouveau méfait sans doute, tous, sauf Don José. Peut-être a-t-il enfin compris qu'il fallait s'éloigner un peu de Carmen, pas sûr. Pourtant, la vie lui envoie un nouveau message. Micaela le cherche, cette charmante jeune fille qu'il aime et qui est la protégée de la mère de Don José. D'ailleurs, elle joue un peu de ça. Hein. Il ne vous aura pas échappé que Don José avait un Oedipe pas complètement réglé. Hein. On est beaucoup d'hommes hein, dans ce cas-là, ce n'est pas un jugement. Mais tout de même, Micaela veut le retrouver. Elle prend le risque de venir le rejoindre dans la montagne. Elle n'a pas peur de la nuit noire, elle n'a pas peur de la nature environnante, elle n'a pas peur des contrebandiers qu'elle pourrait rencontrer, non. Elle a peur d'une seule chose, la réponse à la lettre que va lui confier Don José. «
Dans la nuit, à 100 mètres, Michaela reconnaît Don José. Mais lui, que fait-il ? Il ne la voit pas, il ne regarde pas de son côté, il regarde ailleurs. Il arme sa carabine, il ajuste, il fait feu, il tire sur une silhouette. Michaela a trop présumé de son courage, elle a peur. Vient-il de tuer un homme ? Non, apparemment non, la personne visée approche, mais ne serait-ce pas quelqu'un qu'on connaît ? Je suis Escamillo, torero de Grenade. Escamillo, c'est moi. Je connais votre nom, soyez le bienvenu. Mais vraiment, camarade, vous pouviez y rester. Je ne vous dis pas non, mais je suis amoureux, mon cher, à la folie. Celui-là serait un pauvre compagnon qui, pour voir ses amours, ne risquerait sa vie. Celle que vous aimez est ici. Justement, c'est une tsingara, mon cher. Elle s'appelle... Carmen. 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 Oui, mon cher. Elle avait pour amant un soldat qui jadis a déserté pour elle. Carmen. Ils s'adoraient, mais c'est fini, je crois. Les amours de Carmen ne durent pas 6 mois. Vous l'aimez cependant. J'aime. Vous l'aimez cependant. Je l'aime à la folie. Mais pour enlever nos filles de Bohème, savez-vous bien qu'il faut payer? Soit on paiera, soit on paiera. Et que le prix se paie à coup de Navaja. Un coup de Navaja. Comprenez-vous? Le discours est très net. Ce déserteur, ce beau soldat qu'elle aime, ou du moins qu'elle aimait, c'est donc vous. Oui, je m'en aime. J'en suis ravi, mon cher. J'en suis ravi, mon cher. Ceci n'est pas un
soivre, Carmen, qui me sauvie la vie. Quant à toi, beau soldat, nous sommes manche à manche, et nous jouerons la belle, oui, nous jouerons la belle. Le jour où tu voudras reprendre le combat. C'est bon, plus de querelles, nous allons partir. Et toi l'ami, bonsoir. Souffrez au moins qu'avant de vous dire au revoir, je vous invite tous aux courses de Séville. Je compte pour ma part y briller de mon mieux. Et qui m'aime y viendra, et qui m'aime y viendra. L'ami, tiens-toi tranquille. J'ai tout dit. Oui, j'ai tout dit. Et je n'ai plus ici qu'à faire mes adieux. Regarde à toi, Carmel, je suis là de souffrir. En route, il faut partir. Halte! Quelqu'un est là qui cherche à se cacher. Une femme! Pardieu! La surprise est heureuse. Regarde! Tu fais ici. Oh!
la destinée qui arrive dans sa vomia. Tu dis au bout de ma vie, non, 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 je n'ai pas te dire.
Vous l'avez entendu, les derniers mots de Don José à Carmen dans l'acte 3 étaient « Sois contente, je pars, mais nous nous reverrons. I'll be back. » Dit d'un air sûr, Don José comme un Terminator navarrais. Ainsi commence donc le quatrième et dernier acte. L'ambiance change totalement. Nous sommes de retour à Séville sur une place. Le soleil tape fort. Le soleil tape comme jamais sur les Hauts-de-France, même en période de canicule. Nous sommes sur cette place devant les vieilles arènes de la ville. Et ça parle, et ça parle. Les derniers ragots sont frais entre le lieutenant, son officier, Frasquita et Mercedes. Et voici gala, closer public. On apprend notamment que Carmen s'est à présent entiché d'Escamillo, le torero, et que Don José est rentré voir sa mère. Mais là, à l'heure qu'il est, personne ne sait où il se trouve. Il est dans la nature. Et comme le formule Frasquita, avec un bon sens qu'ont toutes les pipelettes qui s'angoissent de choses qu'elles aimeraient peut-être se réaliser, elle dit « Je ne serai pas tranquille à la place de Carmen. Je ne serai pas tranquille du tout. Sur ce, moi, je vais me prendre une bonne place ici pour suivre le dénouement de cette passion. Je range mon ouvrage, mais je continue à ne pas exclure l'hypothèse que ça puisse mal se terminer. » Thank you.
suis pas femme à trembler devant lui. Je l'attends, mais je vais lui parler. Carmen, crois-moi, prends garde. Je ne crains rien. Prends garde. Que tu n'étais pas loin, que tu devais venir. On m'avait même dit de craindre pour ma vie. Mais je suis brave et n'ai pas voulu fuir. Je ne menace pas. J'implore, je supplie, votre passé, Carmen, votre passé, je l'oublie. Oui, nous allons tous deux commencer. Tu demandes l'impossible, Carmen, jamais la maudit. Son âme reste inflexible. Entre les toits, tout est fini. Jamais je n'ai menti. Entre nous, Carmen, il est temps encore. Oui, il est temps encore. Oh, ma Carmen, laissez-moi te sauver, toi que j'adore. Laisse-moi te sauver, il me sauve. Non, je sais bien que c'est l'heure, je sais bien que tu me tueras. Mais que je vive ou que je meure, non, 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 je ne te céderai pas. Mais il est temps encore. Pourquoi t'occuper? Oui, il est temps encore. Carmen, laissez-moi te sauver.
plus. Je resterai pendu tout ce que tu voudras. Oh, tu m'entends? Oh, tu m'entends? Good luck!